On met la gueule. Il est dans la gueule, en haleine. On a dit tout le monde, go bonsoir, côté nous, là, mes amis. Tes spectateurs, nous sommes contents là, maman. Nous pouvons les monter toujours, non, là. Est-ce que vous entendez? Contents là, maman. Vous entendez? Ok. Eh bien, nous parlons des AP là, côté nous. Ah, nous commençons à monter là. Je dis, go bonsoir, jeudi à c'est. Aïe, aïe, jeudi à c'est jeudi. Jeudi à c'est jeudi 17 août. 2023, je suis bien content, je parle avec nous maintenant, capitale fédérale américaine en Washington DC, un gros soleil là qui a boulé nous là. Eh bien, pas de gros barrières, nous dérangeons aujourd'hui en actualité sur le plan international. Le dossier Niger a toujours dominé l'actualité. Et M. le leader coup d'État a toujours exprimé espoir par aussi pour l'État jugé président et Bazoum, Mohamed Bazoum, il a déposé à. Les États-Unis expriment inquiétude du tout à face à la question de ça, non, monsieur a parlé de ça. Et monsieur CDAO, on a parlé que bloc économique Afrique de l'Ouest, et bien au même tour, il y a une bon, réunion même, il fait même pour parler même de ça, et pour voir si, dans quelle mesure il va lancer une opération militaire pour capable remettre en place le président déposé. Donc, dossier ça, il est tout l'ouvrir pour nous, et puis il bouche l'ouvrir entre le président Vladimir Poutine non, avec en fait, la Russie, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ben, monsieur, ça continue là. Bataille toujours faite, toujours, il a toujours lancé et tout sur l'autre là. Et puis, le président Joe Biden, qui peut aller, qui peut faire tourner là, et dans la conversation maintenant. Il est pour aller dans Hawaï, pour là justement faire une sorte d'évaluation, puis visite de regarder des gars qui fait ça faire dans Hawaï côté quand c'est monde qui mourir dépassé une centaine. Et l'autre grand point qui s'est abdominé actualité encore si nous t'a gardé pour nous et dans le pays d'Haïti et bien et monsieur Grand-Amé continue à assumer la terre toujours. Et il y a encore monsieur attaqué une machine police qui t'a soutenu dans une zone Gonaïve. Eh bien, là, entre machine police en bas de Zam, et policiers ont sauvé. Ils ont sauvé et ils ont jeté même trois fusils qui étaient dans la main, Galil qui était dans la jeté. Eh bien, monsieur a mis du feu dans la machine, mais nouvelle pas dit si c'était blessé, bon côté policier. Bon, le sergent nouvelle dit que monsieur Boulet, il y a une machine, et puis qu'on y a monsieur continue à opérer quand même dans la zone surtout, dans la base de Tibonita. Dans l'autre grand point qui s'est dominé l'actualité à toujours, c'est surtout et monsieur Negameo qui continue à opérer dans la zone Cafoufeuille. Côté monsieur a continué à pousser de population à la caille, il est entré à la caille, violé les gens, boulé sa rejoindre, kidnapper les gens, etc. Entre temps, la police et a fait effort pour s'il était capable, dans qui mesure capable, pour être capable de contrecarrer et négamer ça. Et puis, dossier Nations Unies, nous connaissons que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui-même, lui soumettre un rapport par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient pour lui garder. Et parmi les recommandations, il souhaite pour gagner une force robuste qui pourrait aller en Haïti, aller des polices nationales là. Et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'allège fort, Kenya a fait, ou bien décision Kenya a fait, prend pour lui, et prend peut-être une force multinationale qui pourrait aller des polices nationales là. Donc, il y a demandé pour l'autre pays dans la région, à part déjà Jamaïque avec les Bahamas, qui confirme la participation. Le secrétaire d'État a demandé pour que l'autre pays t'a porté, coller tout pour t'aider. Et puis, M. Barbecue, alias Chérisé, et M. rencontré la presse hier, à côté de M. Didi même, pour ça concerne les forces multinationales là, il n'y a pas un problème du tout. Si M. Vifon Barbecue positif dans le pays, l'a supporté, l'a battu bravo pour yo. Et si vous venez, c'est venu combattre à faire gang, l'a battu bravo pour yo. Mais si vous venez, vous connaissez que si attaqué, vous venez attaquer et attaquer yo, ou bien attaquer la population, ou bien violer la population, eh bien, il dit même les disciples qui prennent tête et prennent tête un cabouillage pour qu'ils bataillent avec force étrangère. En fait, c'est pour une fois tout que Jimmy Chérizier prend la rue depuis quelques temps que mon patron, monsieur, eh bien, monsieur rencontre la presse. Quand monsieur fait déclaration concernant possibilité pour une force multinationale aller en Haïti, et c'était pas qu'on date précis parce qu'il y a un pile bail qui pour faire.
en plus l'analyse, en plus financement, gain bail et appareil qui pour examen qui pour acheter équipement tout bail fort pour y aller. Et nous connaissons que dans jour qui venir là au Kenya qui pour voir une délégation en Haïti pour justement aller évaluer la situation et voir qui ça a besoin pour que capable aider dans l'opération qui a faire qui était certainement avec objectif pour déboucher sur les élections et qui est pour faire. Nous gagnons et bien parce que et c'est l'annouillé. Et était censé non en plein Tiboisia, et bien nous avons invité spécial tout là. On va présenter nos camarades que nous t'écon ouais. Et au Mexique, on monsieur tellement cher bel âme, mais nous trouvons mes feuilles, on m'a fini. Nous trouvons mes feuilles hier là, qu'on y a là devant monsieur. Bon. Bon, nous connaissons monsieur ça, bah ouais. Non, nous connaissons ça. Et bien monsieur, il est Ducasse. Mackenzie Ducasse. Monsieur, c'était correspondant au Mexique. Et lui, nous avons monsieur dans Tijuana. D'abord, avant Tijuana, c'était Tapachula. Tapachula, monsieur est entré, monsieur est sur Tapachula, monsieur est descendu dans Tijuana. Et qu'on y a monsieur Washington, qu'on y a monsieur vient visiter, monsieur vient à nous visiter. Alors, dis-nous, du cas, ça, maintenant, Washington. Bon, nous, là, on n'aime pas ce cas-là, parce que quand on a un cas-là, on pas à Washington pour ne pas passer dans la voie d'Amérique. Bon, là, je fais une visite. Je suis là. Ok, donc, faut dire, vous avez un café, non? Là? Oui, yeah. Ah, monsieur, bon, monsieur, nous avons bah, un café, on café, non? Un café spécial, mais, café ça, monsieur, pour un paquet d'enfants, les cibouelles, parce que Godéat est tellement chaud. Donc, monsieur, pas café, dit, ouais, bon. Café. Mais quand même, c'est de façon pour nous te souhaiter, monsieur, bienvenue. Monsieur, m'a dit, nous, bisuit, nous, dit, nous, pas un bisuit. Il m'a dit, nous, cassable, nous, dit, monsieur, allô, cap, à la chez cassable, là. Et puis, l'Elvin, encore, n'a pas l'autre café avec. Donc, comment va-t-il? Bon, tout va en forme, on connaît nous là. Sauf que nous avons toujours plein. CBP, on a toujours difficile pour Haïtiens généralement. Parce que vous avez fait, blanc, je n'ai pas plus rapide que Haïtiens. Je ne sais pas qu'on ait des systèmes non blancs qui manègent que Haïtiens. Mais toujours, on plein pour ne pas qu'on ait rendez-vous. Et puis, là, on va aller dans mon rendez-vous. 75% c'est immigrants latinos qui viennent. Bon, en tout cas, Gerline Joseph qui était avec nous hier, était avec nous dans le journal, dans le troisième mi-temps, eh bien, il dit nous que selon ça, que lui-même, que l'autorité, et chiffre que l'autorité au Bali, okay. Il dit que Haïtien est censé mener dans le quartier de monde qui vient au rendez-vous. Ah, sur ah, donc, ils sont bonnes nouvelles, Haïtien est censé abdominer. Donc, ce sont bonnes nouvelles, compatriotes. Nous avons dit que l'administration fait dans son programme là, ça oui, va bien longtemps. Oui, oui, oui. Et son programme, justement, qui pour eux, le programme d'unification familiale, côté oui. Ils incluent Cuba avec Haïti oui, là-dedans. Oui, oui. Mais il n'y a pas tout le monde qui est qualifié pour lui. Il faut que les gens qui étaient déjà rempli forme. Il 130 ans pour vous et que le service a déjà approuvé de Manouan et laisse ça au pral. Retend nos invitations et loge une invitation. Alors, monde qui fait invitation, monde qui est rempli forme, il s'entend dans le pouvoir. Qui différent de programme Biden, qui est différent de programme Biden, non, même monde qui est rempli forme, il s'entend dans le pouvoir. Si t'es papa ou madame ou mari ou maman ou papa ou monde sérieux qui est rempli pour mes petits toutous, eh bien, monde ça a poursuivi l'invitation et laisse aller pour rempli forme. Il s'entend dans le cap A, qui capable permettre de venir aux États-Unis oui. Sous parole ou bien encore sous condition, c'est le programme ça, et le FA ou capable. Et vient aux États-Unis, vient 30 même jamais. Yeah, il n'est pas programme 2 ans. Biden. Non, non, non. Il n'est pas de programme 2 ans. I-134. I-134. Yeah, c'est I-134. Ah, yeah. C'est I-130 là, yeah, qui yeah. C'est ou même ou proche, ou vraiment oui. Proche, proche, qui vous qui de remplir pour madame, Marie. Ça, yeah, les catégories. Maman, catégorie A dans le programme d'immigration. Donc, vous n'avez pas appliqué pour cousine? Non, non. Nièce, pas appliqué. Non, pas faire le bail pour ça. Alors, dis-nous, non. Et qui est en frontière? Qui est en frontière? Bon, actuellement, frontière est toujours rempli parce que, malgré tout le programme qui gagne, mon toujours à prendre route là, malheureusement. Parce que mon dit, le programme est tellement prend temps, puis de pipe, puis de Mexique. Parce que si au Mexique, yo espère aller aux États-Unis. Mais si y a tant, yo gen doit faire mes sous yo, nous pas connait qui ça va passer. Mais haïtien yo, malgré ça, yo joine l'autre route pour passer pour yo ka aller Mexique. Objectif haïtien c'est arriver Mexique parce que Mexique là lui-même. Donc c'est objectif là. Objectif yeah. C'est sortir de Doha et puis arriver Mexique yeah. Au moins là Mexique yeah. Tout peut fonctionner. Il y a quelqu'un qui yo applique dans programme parole humanitaire, ça le programme Biden là, mais pendant y a tant, yo just vini Mexique plutôt yo dit vivre jambé parce que il y a vidéo là parce que mon yo dit là yo entré sous frontière, li pi bon pour yo pour qui ça parce que c'est un asile yo pas le faire. Il n'y a pas de limite. Il y a un rendez-vous code 2026-2027, ça parle de pas. Mais l'autre, c'est comme Biden, c'est 2 ans, par contre, ça parle pas après. Il y a dit, et puis, il y a une frontière. Il y a un risque de tout dans la forêt d'Ariane, malheureusement.
qui est difficile en pile, malgré tout ça, le gouvernement a fait pour combattre le phénomène ça. Mon style toujours pour un forêt, parce que je dis, là, garantie. Vous connaissez force plutôt. Oui, alors, dernière nouvelle, Baito, et Panama est en bouche ouverte avec Colombie. Sous dossier ça, parce que Panama dit que Colombie pas réduit flot, mon cap vient traverser forêt d'Ariane, parce que l'offre traverser, l'offre quitter Nekokli, qui est en Colombie, ou traverser maintenant. Vous traversez de l'eau d'abord et vous traversez pour tomber pour nous. Alors, fin traversé net maintenant pour nous tomber Panama. Oui. Et Panama a dit le constater en grand quantité de monde qui a vidé sous lui. Et l'Ibaron ça pour le faire. Les États-Unis ont posé d'autres conditions, lui-même tout qu'on y a là pour le monde qui a demandé, qui a vu sous frontière. Il demande faut chercher protection d'abord quand on sort. Donc, c'est des dossiers qui sont vraiment difficiles. Mais quand même, qui a la vie à l'autre bois même actuellement. Parce que moi-même, les mal, je visite quand yo. Je visite quand yo. Et bon, ça, moi, je vais toujours partager avec les spectateurs. De montrer que la situation est difficile en pile pour les immigrants. Bon, et comment les frontières? Les immigrants, généralement, n'ont pas décidé d'installer au Mexique. Ça, me le dit pas là. Donc, vous venez dans le pays. Ils en transit. Ils en transit. Ça veut dire qu'il y a une opportunité de travailler ou de mettre quelques jours de travail avant que vous ayez rendez-vous. Mais, si toi, ici, au début, venez. L'objectif principal là, c'est les États-Unis. Vous préférez pas travailler et puis pour vous avoir rendez-vous, pour vous jouer rendez-vous. Même si vous êtes installé, fait un petit combat en attendant que tout va régler, vous êtes capable. Bon, mais ici, en Dolly, même Mexique là, il n'est pas venu pour l'été, il va en installer, même l'anglais ne va pas apprendre. Le pessoa faible. Non, le pessoa très faible. Yeah, mais si le dollar font baisser, parce que longtemps, un dollar te baille 20 pesos, qu'on y a là, un dollar baille 16,5 pesos. Okay. Et donc, on a 100 dollars même au Mexique, là, on a 1650. Donc, même les monnaies au Mexique, ils ont besoin de support quand même, que ce soit assez beaucoup de familles. Yeah, non, famille est important parce que si tu n'as pas une famille, c'est difficile en pile. Si tu pas travail, ou bien tu réfugié, conditions vraiment difficiles, les réfugiés, il y a tellement de monde. Il y a réfugiés pour 50 monde, il y a 200, 300 monde qui sont là-dedans. Ou pas dormir bien, pour bien, c'est l'île pour prendre. Situation chaotique et dans le Fijo, malheureusement, caillou chèque. Il y a augmenté caillou haïtien. Depuis haïtien qui vient le caillou, c'est 2 000 à 4 000. Il a doublé. Il a doublé. Il a dit 3 500, il a monté caillou. Mais là, on vient de venir, il a dit 2 000, il a dit que ça n'a pas de cob. Okay. À Venezuela, même ça, il a fait tout, marche à prendre 4 000. Il a dit qu'il a besoin d'aide de ces immigrants. Il a dit que c'est migranté pour qu'il aide. Ça veut dire que la situation difficile en pile pour les immigrants. Parce que les immigrants, les États-Unis, c'est les priorités. Okay. Il dit quel que soit la tangente, il faut rentrer aux États-Unis, quel que soit le moyen, hein, il va rentrer. En tout cas, il y a plusieurs programmes qui mettent sous pied. L'administration a annoncé récemment une possibilité que vous pouvez prendre en considération les immigrants qui bloquent au Mexique. Les immigrants qui débloquent au Mexique après les États-Unis mettent fin dans le 42. Oui. Donc, mon ça va regarder pour est-ce qu'il considère son état fait pour eux. Il y a un nouveau ministre des Affaires étrangères Mexique là, qui lui-même dit tout son question que le président mexicain est. Lopez Obrador dit demander pour le travail avec les Nations Unies, l'autre agence des Nations Unies, surtout l'organisation pour les réfugiés, tout le monde, pour eux. Dans quelle mesure capable de mettre en application ce programme ça et dans quelle mesure capable d'aider les immigrants qui bloquent l'autre bois. Yeah. Donc, même quand vous gardez nous, en patience, tout simplement, alors c'est ça que Guerlain te dit. Oui, Guerlain te dit. Demandez pour eux, prends patience, ce n'est pas arriver un seul coup, on t'a remis. Ce n'est pas que nous t'a remis que l'arrivée vite, mais. Et pas seulement. Et en pile, tout. En pile. En pile, en pile, mon. C'est 8 points d'entrée gagnés, tout pour au plein. Tout pour au plein, yeah. Tout le monde peut faire des souliers sur le port d'entrée. Oui. Ils étaient dans la zone port d'entrée et ils n'ont pas été en dedans de la ville. Surtout zone Texas, c'est difficile en pile pour les immigrants. Ok. Zone Texas, ça a gagné plus de 5 frontières Texas. C'est Reynosa, Matamoros, Gagné Volarido, Gagné Pied de la Néglas. Il y a près de 5 frontières dans la zone. Les immigrants ont un petit problème, les ont traversé. Parce qu'on est Gregabot. Elle passe au Texas. Elle passe au Texas, il y a 5 lignes. Gregabot a un petit problème, il a traversé et il a un petit problème pour les immigrants. Si nous, ça calme, choisis pour peut-être aller. Okay. Il y a très très difficile pour les immigrants. Il y a de l'eau qu'on a à la veille. Il y a des difficultés à traverser. Quand on a bébé, quand on a pile l'autre bagaille. Oui, parce que le gouverneur était déjà ça récemment, il met ton bail flottant dans Rio Grande. Oui. Donc, ça qui est un problème, que le gouvernement fédéral n'a pas d'accord. Non. Le gouvernement est allé dans le tribunal, mais on a un tribunal n'a pas le bon temps pour prononcer pour demander de lever les. Oui. Parce que la question d'immigration, il y a une question fédérale, c'est une question au niveau État. Oui. Mais tout, l'État républicain est censé dénoncer l'administration, il dit que la façon que les ouvriers n'ont pas d'accord avec lui. Il faut certainement pas passer dans le monde, donc il y a babé pour ça. Voilà. Bon, c'est difficile en pile. Malgré tout effort que le gouvernement a fait, mais il y a une crise migratoire pour que les gens puissent résoudre. Okay, il y a depuis environ 2 ans, là, une crise la raide, malgré tout effort que l'administration a fait, vous sentez, monsieur,
toujours dans les capacités pour résoudre la crise là. Même parce que le gouvernement là, travaille, l'empile pour s'il a résoudre la crise là. Parce que qui bloque le Mexique, il y a une chance pour venir. Il y a mon Haïti qui a venu, ça veut dire qu'il y a un programme qui met sous pied. Donc, il y a besoin de patience. Patience. On a ici, on a dit patience tout. Voilà, Mackenzie, alors, au Washington, qui est ou déposer mallette, comme dit mon dit. Bon, je déposé mallette du côté de Californie, San Diego, Californie, Los Angeles, Californie. Je déposé mallette là, je vais toujours informer le peuple là. Ok, d'accord. Donc, Mackenzie, ou basé, ou déposer mallette dans Californie. Oui, c'est important. Oui, on est revenu à la capitale fédérale américaine à Washington DC. D'ailleurs, là, c'est gros building, côté au point, gros décision. Oui, c'est congrès. Et côté au point, gros décision. Gros décision là. Vous ne pouvez pas quitter Washington, non, sans pas visiter congrès. Il y a un bon visite là. Il y a des gens qui sont avec là. Je vais même visiter. D'accord. Il y a un problème de travail sous sport parce que il y a UEFA. Oui, allez, parce que vous ne pensez pas. Dis-nous un peu dans ce cas. Il y a UEFA là qui est nominé pour meilleur joueur UEFA pour l'année et meilleur entraîneur UEFA de l'année. Trois joueurs. Il y a 3, il y a 10 et il y a 4e, 5e jusqu'à 10e. 4e dans Gundogan qui a joué dans City qui est dans Barcelone. 5e dans Rodri qui est dans Manchester City. 6e dans Kylian Mbappé. 7e dans Luka Modric. 8e c'est Brozovic qui est en 2000 pour la qui était avec en Arabie Saoudite. Alors, 23 finalistes. Et puis 9e dans c'est Declan Rice qui était dans West Ham et Arsenal. 10e dans lui-même qui c'est João Félix, je ne connais pas le problème. Mais 3 finalistes, c'est Erling Haaland qui est Norvégien qui a joué dans l'équipe Manchester City qui font gros saison. 2e dans c'est Kevin De Bruyne qui s'est joué à Manchester City tout, qui ont une grosse saison tout, font pas quatre passes. Et puis étonnamment, Lionel Messi qui est dans le top 3, un peu qui dit Messi pas de mérité là, Messi là, Messi pas là, mais Argentin qui est champion du monde avec l'Argentine pour la première fois dans l'histoire, qui bel et bien figuré dans le top 3, il va le battre pour Mario d'or, pas ballon d'or non, pour Mario d'or qui est le meilleur UEFA pour l'année. Et pour entraîneur, c'est Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City. Et si on est Inzaghi, c'est entraîneur de l'Inter de Milan. Et puis. Et Luciano Spalletti qui s'entraîne à Naples, et c'est toi Mounsaro qui va le gourmet pour meilleur entraîneur. Trois joueurs, c'est Haaland, Messi, De Bruyne. Ton entraîneur, c'est Guardiola, Spalletti et puis Inzaghi. Ok. Et bien, on a dit que dans MLS là, concernant Messi, puisque Messi a joué dans Miami, Inter de Miami. Club, Inter de Miami, et bien, équipe là, monsieur Mené. Je suis ensemble avec Busquets, Alba. Alba, Busquets. Et Tata Martino. Monsieur, un peu qu'entraîné à Tata Martino, mais il y a une équipe dans la finale Ligue là. Pour la première fois dans l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire, qui peut rencontrer avec Nashville. Il y a qualifié pour la Ligue des Champions. Il y a pas joué la CAI Nashville. C'est un bel match. Puis le monde dit ah, est-ce que Messi pas venu là pour venir pour un autre trophée encore? Puis il y a plusieurs autres qui parlent là pour Messi. Dans deux Coupes du Monde football féminin, on a dû entraîner la sélection football féminin américain. Monsieur, bon, monsieur Casson quitté ça. Oui, après Pierre. Après performance. L'équipe américaine n'a rien maintenant. Il était gros favori, qui va même pas faire de finale. Il va même passer même. Bon, donc, sélection américaine a cherché un nouveau entraîneur. Entre-temps, il dit qu'il y a un bien entraîneur, assistant entraîneur. Parce qu'il y a deux matchs. Et puis, il y a deux matchs amicales qui ont fixé là. Et puis, il y a un gol qu'on a privé sur là en février. Oui. Il y a deux matchs amicales. Entre-temps, il y a l'autre entraîneur. Haïti, il y a un entraîneur, parce que Bélépine Baïvac. Bon, mesdames Haïti, il y a un entraîneur pour mesdames Haïtiennes. Il y a Jacques qui est là. Jacques. Oh, Jacques est là quand Jacques est là, il y a un travail. Et puis, dans l'autre Coupe du Monde, nous avons samedi, c'est pas le match consolation entre la Suède avec l'organisateur Australie. C'est les deux, Nouvelle-Zélande qui est éliminée malheureusement, mais Australie arrivée, mais pas fait finale. Déception pour Australien. Dimanche, c'est la grande finale entre l'Espagne avec l'équipe Angleterre. L'Espagne-Angleterre, un bel match. On a parlé que l'Angleterre actuellement c'est champion en titre européen. Oui. Donc, ballon capable. Titre à caler n'importe quoi. Faire signaler tout, c'est un bon nouveau champion. Tout de pour champion. Un bon nouveau champion, oui. Un bon nouveau champion. En tout cas, nous remercions. Mais l'Angleterre est partie favorite. Je sais qu'il y a un bon bien dit. Yes. Non. Non.
C'est moi, Eric Amien, RFI, on a passé mandé pour moi, ouais, rédaction créole là. Okay. Mais comme moi, on visite. Bon, nous sommes amis qui saluent nous là. Vous m'avez parlé. Vous m'avez parlé. Oui. Oui. Nous comptons. En direct là. En direct là. Nous en direct. Oui, là. Moi, content aux autres, puisque c'est qu'on fait nous. VOA, RFI, c'est moi qui t'ai fait émission créole à Sous Haïti en 2010. En RFI. C'est haïtien? Moi-même, c'est Guadeloupéen, mais haïtien aussi. Vous comprenez? Oui, moi-même content. Vous allez à Haïti déjà, non? Oui, moi allez à Haïti. Parlez-nous d'expérience dans RFI en tant que président. Ah oui, alors bon, moi j'ai commencé émission créole dans RFI en 1995, en remplacé Français Bois qui était en rédaction là. Et puis donc moi arrivé en rédaction là, la Français Bois parti en Guadeloupe. Et de 95 jusqu'à 2006, c'est moi qui ai occupé de la rédaction créole là. On fait émission sous nous mélanger, mettez créole Guadeloupe, créole Martinique, créole haïtien, tout le monde là-dedans, puisque c'est nous-mêmes. Et nous fonctionnons comme ça, donc nous sommes correspondants donc, en Haïti, Vario Serran, Gilo Winner. Et nous-mêmes, tenis correspondants, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et nous toujours t'es écouté aussi, parce que bon, c'est même famille-là, et c'est même travail-là, nous, qu'a fait. Donc voilà. Et là, on venait rapidement. J'ai passé, si on était capable de vous autres, on avait aura. Mais comment pas, t'es invitation. Et puis moi, sorti, moi, quand tu es autres. Oui, oui. Alors, soit avec Washington. Mais là, on a visité, donc, bien sûr, Maison Blanche, hein, et Capitole, et puis Noaï, donc, musée de la Bible. Et donc, voilà. Mais si on te prend moins plus bonheur, on te fait un petit programme, on te fait une raison dans la rédaction créole VOA, parce que c'est nous-mêmes. Est-ce que pas soir, enfin, quand même, ouais, collègue, en dedans. Mais non, qu'il y a un bus qui va repartir dans 20 minutes. Oh non, malheureusement. C'est la première fois que Washington. Première fois. Nous sommes bienvenus. Première fois, tu as venu, nous, on a content. Mais oui, mais à quel moment dit? Parce qu'il faut envie de voisin. Et là, il y a un millier de monde qui a gardé autour. Il y a un film qui a gardé là, il y a un film qui a gardé. Il y a un monde tout côté là. Le monde a gardé. Oui, mais ensemble, que vos hommes, c'est ce qu'on a fait beaucoup. Mais qu'on a un travail pour RFI comme ça. Oui, oui. Nous, là, nous, KKB, aller actuellement, qu'on a fait une émission pour les jeunes. Ok. C'est l'Afrique. Mais nous, ça y aura créé Club RFI. Et nous n'y aussi, comme il y a la trèfle au réveil Haïti, hein, c'est deuxième patrie. Donc nous aussi des clubs qui sont installés donc, à Port-au-Prince, Gonaïves, Cap-Haïtien. Et nous essayons de faire un lien entre Moun Caraïbio et Moun Afrique. C'est important. Il y a une même race là. Pourquoi les gens disent qu'ils ont élevé, non? Ah, moi c'est Eric Amien, oui. Eric Amien. C'est moi qui t'ai fait émission donc à Sous RFI en créole pendant un mois. Tous les matins en français et en créole. Nous essayons Haïti information par rapport à ça que tu as passé, tout ça. Et nous-mêmes, nous, bon séjour, j'espère que. On coûte ses jours. Parce que nous venons devant là, et puis relais n'a pas chercher pour venir visiter nous, on a content. Pas de problème. Et ça fait un gros plaisir. Ben oui, mais c'est d'accord. Bon travail. Ben oui, c'est nous-mêmes. Kebela. Ensemble. Nous balayons. Ok. Nous content. Voilà, c'était Eric Amien, journaliste Radio France Internationale, Radio France Internationale qui est combattu. Bonjour, Eric Amien. Bonjour, Eric Amien. Bonjour, Eric Amien. Bonjour, Eric Amien. Bonjour, content. Nous sommes contents. Tout le monde est Camille, c'est lui qui a fait une nouvelle sur en créole depuis Paris. Yeah. Et il a certainement été informé nous. Donc nous sommes contents de voir. Mais bon, je dis, c'est ça que c'est le créole là. Parce que tout le côté nous passe, nous mettons sur le monde qui connaît nous, le monde qui a cherché nous, le monde qui est content. Nous sommes bien contents. En tout cas, mes amis, nous sommes invités aujourd'hui. Et Camille, journaliste RFI.
Et puis je suis tout. Je suis Ducas même qui vient là, qui vient visiter nous à Washington. Il y a un haïtien qui vient à Nashville, qui c'est Fabrice Pico. Fabrice Pico, c'est lui qui parle le marqué, Messi. Par contre, si monsieur bon, monsieur bon. Comme défenseur, monsieur bon, mais par contre, si le cas marqué Messi, parce que Messi sont qui tellement les ballons, mais il tellement fait bagarre avec ballon ça. C'est Messi quand même. En tout cas, monsieur Fabrice, bonne chance dans l'aventure là. Mes invités spectateurs de la d'Amérique, on était bien content parler avec nous et puis avec Mackenzie du coup. Oui, nous content. On était content. Oui. En tout cas, c'est quand nous saluons tout le monde. Branché Pita parce que Pita n'a pas vini encore sur plateforme Jacques Nakala, Fred Nakala tout. Le fait Nakala, nous content parce que c'est technicien nous. Oui, oui, oui. Et l'Elvin nous apprend l'autre bar, non, mais tout bar, nous pas content. Ah, mes amis, bon week-end, bon après-midi et puis moi-même, nous pas prendre non et demain. Je parle avec nous de l'autre côté. Même pas de côté ma pied, non. Je parle avec nous de l'autre côté. Ça a été comme surprise. Oui, ça a été comme surprise. Bon après-midi tout le monde. Bye bye.